moi, je suis née à 1812. 1912. 1912. En même temps la même année du Titanic. Vous vous rappelez-vous du Titanic? N'avez-vous entendu parler? C'est un gros bateau qui a calé, là, puis il y avait du monde. Mon mari, mon père, il aurait été sur ce voyage-là, mais ma mère, elle m'attendait. Il dit, je te laisserai pas. Puis vois-tu, c'est moi qui ai venu au monde. Puis à Carmelton, j'ai pris mon cours de garde-malade, là. Puis là, j'ai retourné à Bathurst pour travailler dans les hôpitaux. Ah, j'ai travaillé une seule fois, je ne voulais pas me marier, j'ai dit, je ne veux pas me marier avant que j'aille travailler un peu, là, pour connaître, aider au monde, pour me lancer de la famille comme mes soeurs, il y avait 12. On était 12 de famille, nous autres. Mon mari, premier tout, il était employé avec le CNR, le même que mon père puis mes frères, c'était tout employé là, Bathurst. Mais il a entendu dire que les mines, hein, ça payait mieux, puis ça, mais c'était dangereux pareil. En tout cas, on s'est mariés à Bathurst, mais on a déménagé. J'ai monté, demeuré à Malartic. On s'est mariés en 39. Puis Maureen est née encore alors, 65 ans dans le moment. Puis. Ensuite, on a eu Blair, là. J'ai travaillé pour le docteur Tachaud 6 ans à Val-d'Or. Je voyageais avec mon char, nous, jour et nuit, là. Puis je laisse des accouchements à Malartic au même temps. Okay. Ça fait c'était une petite vie excitante. La semaine qui est venue au monde, là, moi, j'ai accouché 2 femmes à Malartic. 2 femmes. Les docteurs t'as pas ouvert un hôpital ici. Puis ils m'ont appelé, ils ont dit, on se fie sur vous, là. Si vous avez du trouble, appelez-nous. Parce qu'il y avait des femmes qui étaient c'était à l'Eudette. Puis j'en ai accouché 2. Tout seul, avec des femmes, là, ils m'ont aidé. J'ai parti chez nous, là, puis j'étais grosse de même, mais je dois 10 livres qui pesaient. J'ai parti chez nous à 7 heures le soir, puis j'arrivais à 7 heures le matin. 24 heures, là, avec 2 femmes que j'ai accouchées. Mais je ne voulais pas les laisser encore, tu sais. J'étais de même, moi, je ne voulais pas les laisser. Encore qu'il y ait des troubles, après. Je n'étais pas contente, là. J'ai dit, moi, courir les maisons, là, puis j'ai 2 bébés. Oh, je vais avoir une chambre ou 2, là. Nous autres, on couchait sur une couch. Je dois donner ma chambre pour des accouchements. Puis là, j'en ai eu beaucoup. Ben, 3-4 jours, là. Ben, souvent, je gardais le bébé une couple de jours pour lui donner une chance à se remonter. Puis j'avais des petits lits, moi, des petits paniers, là. Imagine-toi pour des petits bébés. Mais ça payait pas beaucoup. Je faisais des accouchements tout seul, puis j'avais jamais une cent. Pourquoi? Ils empochetaient les assurances. Les assurances payaient, hein? Qu'est-ce que tu veux? J'avais ma petite part, les faire soigner les malades. Il me donnait 5 piastres ou quelque chose de même, mais je n'accouchais beaucoup. Tout seul, avec des femmes qui m'aidaient. Ça n'a pas duré longtemps, là. Je n'étais pas assez grand. L'hôpital a ouvert. Puis dans ce temps-là, ils ont bâti l'hôpital à Malartic. Fait j'ai eu un job de vendredi à lundi, j'étais rendu là. Puis c'était des sœurs qu'on avait à Malartic au début. 4-5 ans en général, ensuite le reste, la psychiatrie, 15 ans. Quand j'ai parti de là, je vous dis qu'il manquait. Imagine-toi, il y avait un guitare, puis ils sont tous là pour me chanter une chanson quand je suis partie. Da, 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 da. C'est vous des petits gilets! Oui, oui. C'est moi qui ai tricoté ça! Oui! Ben, go where, so! C'est Carole Fort. Oh, ben. Qui les a fait. C'est cute! Ils doivent être grands, ces enfants-là! Oh, là, ils devraient voir ça! J'ai tricoté ça, moi! Allez-y! Puis je les ai donnés, étiquetés où? Tout le set! Je donnais tout le set à part c'est le sol. Les pets! Tout, c'est moi qui tricotais ça! Je tricotais pour les. Puis quand j'ai parti, gueule-bolet, c'est moi qui ai fait ça. Coutu les boutons, tout. J'avais du temps, moi. Je travaillais dans l'urgence, hein. Puis
Puis quand il n'y avait pas trop d'ouvrages, tu cotes. Puis tu travaillais de la nuit, hein? Puis tout chacun qui avait un bébé, moi, je lui faisais un petit quelque chose. Quel âge aviez-vous quand vous avez arrêté de travailler? J'avais 70 ans.